Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va opposer Cédric Alexander face à Andrade, un match qui était proposé par GRM, donc GRM je pense qu'on dit plus simplement, GRMK, qui me dit franchement un match Andrade face à Cédric Alexander. Moi je trouve ce match vraiment intéressant parce que bah c'est typiquement un match qu'on ne pourrait pas souvent proposé. C'est vrai que très souvent, il y a beaucoup d'Undertaker, Le Fiend, Royal Reigns, non c'est Roman Reigns, bref, on va dire les top stars, mais là j'ai beaucoup apprécié. Par contre, la seule chose qu'il a oublié de dire, le petit loup, c'est qu'il m'a proposé le mode de jeu. Ça, tout va bien. On est en mode TLC, on est à Royal Rumble, sauf qu'il m'a pas dit qui prendre. Du coup, je me suis permis, mon petit GRM, de prendre Cédric Alexander pour la simple et bonne raison, c'est que je ne le joue jamais, quasiment. Andrade, je le joue assez souvent, des fois quand il y a des pay-per-view, etc. Du coup, bah, les gameplays avec Andrade, on en a fait quand même pas mal. Du coup, j'espère que ça ne te dérangera pas. De toute façon, dans tous les cas, le match, il est fait, donc je pense que tu seras assez content. Donc, vous aussi, n'oubliez pas, hein, vous pouvez proposer vos matchs dans l'espace des commentaires. Faites-vous plaisir. Dès le début, voilà, je vous balance le mot magique, si vous voulez. Là, c'est comme ça. C'est gentil. On va dire que le mot magique, c'est que de cheval. Voilà. Vous devez placer que de cheval dans l'espace des commentaires. Et après, vous proposez le match que vous voulez, avec les superstars que vous voulez. Hein. Ne soyez pas influencés par moi, hein. C'est juste quand je dis que les superstars que vous proposez, des fois, c'est toujours les mêmes. C'est pas méchant, mais c'est juste, moi des fois, bah, ça me fait plaisir que des personnes proposent un match comme ça qui... Moi j'aime bien, voilà. Après, faites-vous plaisir, de toute façon, c'est votre série. Il faut des matchs avec des top stars, il faut des matchs avec des personnes un peu moins reconnues, même si le talent est présent, bien entendu. Alors, Andrade, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il se repose, ok. Oh, mais vas-y, hein, va au bout du monde, pendant que t'y es... On y va. Attention, let's go. Oh là là, le double chassé. Si ça avait été Booba, il aurait dit un double poney. Excusez-moi. Pardon. Oh là là. Le coup du bélier, bien sûr. Alors, dis-moi si ça fait mal. J'arrive. Ok. Il a cru que c'était une reprise de volée. Il s'est pris pavard. Il a fait... Tac. Allez, viens. Je t'attends. Je vais te balancer de toutes mes forces. Et voilà. Allez, let's go. On va prendre une petite échelle parce que c'est ça qu'on apprécie. Si tu fais un match TLC sans mettre d'échelle sur le ring, ça a aucune valeur. Et la valeur, ça nous connaît. Et boum. Attends. Ok. Dire tu bouges pas. Lui dit tu bouges pas. Retourne-toi. Ou pas. Lui dit quoi? Retourne-toi. D'accord. La prochaine fois que tu n'écoutes pas ce que je te dis... Fais gaffe, hein. Non mais on va la placer délicatement, mais sûrement. Je la mets où tu veux. Ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Te relève pas, je te dis. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as mal? Oh là. Il lui tire les cheveux, les oreilles, et tout ce qu'il peut. Ah bah, tu sais quoi? Attends, tu bouges pas. Ne bouge pas. Ok. Tiens. Let's go. T'as vu l'élan qu'il prend? Mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Mais, voyons. Non. Arrête. Oh, il m'a mis une balayette. Il est venu me chercher. Ok. Pas de problème. Je veux pas que j'aurai une personne, moi aussi, qui va venir m'aider à un moment. Tiens. Voilà. Alors, c'est qui le patron, maintenant? Il a pris pour qui, lui? Alors, si on a le temps de le poser bah, pendant que lui fait sa prière... À la base, c'était pas trop ça que je voulais faire. Je l'avoue. Bon. Vous savez quoi? On va faire comme ça. Voilà. Maintenant, c'est qui le patron? Toi, tu... Je m'étouffe. Tu veux faire quoi? Tu veux monter? Viens, viens. On monte chacun. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime, tu vois. Les gens... Non, en fait, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ce qui se passe. Arrête. Mais si, j'aime bien ce qui se passe. Et voilà. Oh, dash. Oh, pinaise. Elle est contente maintenant, il se tire.
Ah bah tu sais quoi? Et je vais t'attendre à la sortie. Debout Cédric. Cédric, vite, 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 vite. Dépêche-toi. Alors toi, si tu crois que j'allais t'oublier comme ça. Debout, debout, debout. Ah. Moi je suis comme ça, je suis gentil. Ah ok. Bon bah je vais sur le ring, hein. Salut, bisous, à bientôt. Par contre, faut qu'il se relève assez vite. Donc ça sera un peu dommage. Oh, Andrade, un professionnel dans l'âme. Viens là. Attention, je suis là. Non mais, genre tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Oui. Allez. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il est redescendu? Et le petit... Oh my god, bien sûr! Bah ouais! Tu l'as pas vu venir celui-là? Dis-le, tu l'as pas vu venir. Dis-le-moi plus fort encore. Attention! Voilà. Il le détruit. Ah, c'est sûr, maintenant, s'il n'y a personne pour t'aider, là, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter comment? On va sauter comme ça. Oh là là. Trop fort. Il est trop fort. Troisième corde. Cela sauter dans un endroit aussi simple. T'es prêt? 3, 2, 1. C'est parti! Aïe, aïe. Ça, par contre, ça fait mal. Je l'ai bien senti. Mais pas assez mal pour nous. Voilà. Non. Ça va, on domine. Non, en fait, on domine pas. Nous ne dominons pas. Nous sommes dans le mal, je répète. Et il veut vraiment se bouffer un deuxième Oh My God. Par contre, ouais, Cédric. 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 Allez, allez. Voilà, parce que là, ça commence à me faire peur un petit peu. Prends cette échelle de malheur qui nous cause tant d'ennuis. Tu vas aller sur l'échelle. Tranquillement mais sûrement. Nous on est là. On se repose. Le poing vers le ciel. Enfin le poing, plutôt le doigt. Il n'a pas de finisher forcément. C'est pas grave. On va quand même pouvoir péter tout ça. Attention! Et voilà. On charge le finisher bien sûr. Parce qu'on n'est pas là pour lui laisser une seconde de répit à notre ami Andrade. Attention! Voilà, magnifique. Ça, on le connaît. Elpig l'a utilisé de nombreuses fois. Et on va le finir en beauté. On a pété combien? Une, deux, 43 échelles. Ce sera... Voilà. J'avoue qu'elle tient bien comme ça en apesanteur. J'arrive! Là, il va me contrer, je vous le dis. C'était une blague, hein, bien sûr. Vous me connaissez. Ce que je vais faire, je vais essayer de voir s'il a peut-être un finisher de cette façon-là. On va attendre un petit peu. Voilà. Le coco. Debout. On va faire la prise la plus basique. Que des fois, les choses simples. On apprécie ça. Non, tu bouges pas. Debout. Est-ce qu'il aime cette petite variante? Ouais, bien joué. Alors là, on a peut-être trop abusé, tu vois. Excusez-moi, un petit peu mal à la gorge. Moi, je t'attends. J'ai compris ce que tu voulais faire. Oh, bien joué. Mais c'est pas assez bien. Et ouais. Relève-toi. Là, on va la jouer comme d'hab. Moi, j'adore. Quand je mets une superstar ici, ça me donne envie d'y aller. Attention! Et voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Maintenant. On va récupérer une autre échelle et je pense qu'on a le temps de récupérer la mallette. Ça sert à rien de trop faire. Ah, je dis qu'on avait le temps, mais. Let's go. Normalement, c'est ok. Alors, ici, c'est parfait. Oh, la table elle a disparu là. Viens. Et ouais. T'inquiète. Je garde mon finisher ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on va garder un finisher, nous? On garde un finisher? Vraiment? Nous? Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Jamais.
Attention! Et voilà la petite variante. Ah, même pas, c'est même pas le finisher. À moins que je le récupère en. Non, c'était pas celui-là. C'est pas grave. Voilà, et on est en train de le détruire. Vraiment. Et maintenant, tu veux le faire? Par contre, je te demande juste une chose, Cédric. S'il te plaît, ne pète pas l'échelle. C'est tout ce que je te demande. Là, normalement, Andrade ne peut plus rien faire. On est tranquille. On peut même récupérer la mallette les yeux fermés. Si j'étais en cam, je l'aurais fait. Bah, ça sert à rien, parce qu'il n'y a aucune preuve. Alors, on pourrait y croire, hein, que je suis les yeux fermés. Oh là là, oh là là. Mais c'est bon. Je speedais un petit peu plus sur la fin. Cédric Alexander qui gagne ce match face à Andrade. GRM, mon petit GRM4, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à proposer de futurs matchs pour de prochaines vidéos. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!